Bonjour, Madame Diane Bouchard, Oui, bonjour. de la ferme Claude Dupont et Diane Bouchard de Saint-Pamphile. Mm-hmm. Madame Isabelle Bélanger, bonjour, de la ferme Bonjour. Bellica, également à Saint-Pamphile. Vous arrivez d'une belle expérience au Sénégal. Madame Bouchard, pouvez-vous nous expliquer un peu c'était quoi? Ben, écoutez, notre mission au Sénégal, là, c'est une première, c'est une entente avec la Fédération des agricultrices du Québec ainsi que l'UPADI. L'UPADI, c'est Développement international. C'est une première dans toute l'histoire de l'UPA d'envoyer des agricultrices, 16 agricultrices du Québec en mission au Sénégal. Le but de la mission, en fait, c'était tout simplement d'aller rencontrer des organismes d'organisation paysanne sur le terrain et puis d'aller voir aussi les petites fermes des Sénégalais et des Sénégalaises. Puis l'agricultrice là-bas, l'agriculture là-bas, ça se passe comment? Ah, d'abord, on doit dire que 70% de la population active travaille en agriculture malgré la faible rémunération. Ils cultivent de 1 à 5 hectares. Et puis, il y a deux saisons là-bas. Il y a la saison des pluies, là, au moment où les gens vont cultiver, ils vont semer. Et puis, la saison sèche qui est de 8 mois. Donc, dans ces 8 mois-là, souvent, il ne pleut pas du tout. Donc, c'est vraiment particulier. La principale culture, c'est l'arachide dans le bassin arachidien. On y pratique aussi le maraîchage ainsi que l'élevage. Les types d'élevage, les principaux, c'est la volaille, les ovins et puis un petit peu de bovin également et le caprin. Madame Bélanger, l'UPA, par le biais d'un organisme du Canada, il donne de la formation là-bas. Oui, l'UPADI, c'est l'UPA Développement International. Eux, ils ont un programme qui s'appelle le Savoir des gens de la Terre. Et c'est un programme de formation. Des Québécois vont en mission là-bas former des gens sur le terrain qui, eux, reforment d'autres paysans. Et il y a de la formation sur le leadership, de la formation de renforcement des capacités sur les négociations. Et par la suite, ces formations, une fois que la formation est faite, un groupement de femmes ou d'agriculteurs ensemble ou quelqu'un dans le particulier peut avoir accès à du financement pour partir une activité génératrice de revenus pour leur aider dans le futur et ce financement-là est rotatif, je crois, là. Vous avez constaté sur place, si je ne me trompe pas, que les gens qui reçoivent la formation, ça fait la différence. Vraiment, Oui. vraiment, ça permet d'organiser la chose. Ils comprennent ce qu'ils font finalement. Et on a vu vraiment la différence entre les organisations qui ont eu le programme LSGT et ceux qui n'ont pas eu le programme. Vraiment. Madame Bouchard, là-bas, vous-même ici, vous êtes deux agricultrices copropriétaires de votre entreprise. Là-bas, ce qui n'existe pas ou presque peu. Mais par contre, on mise beaucoup sur les femmes là-bas pour développer. Oui, on mise beaucoup sur les femmes. Puis le gouvernement canadien met l'accent sur les femmes parce qu'elles savent, parce que le gouvernement sait, puis même c'est effectif aussi, que c'est les femmes qui vont opérer le changement au Sénégal particulièrement parce qu'elles sont les piliers de l'agriculture. Elles travaillent beaucoup. Elles ont à cœur le bien-être de leur famille et de leur communauté également. Et puis, du dire des hommes aussi, elles sont efficaces, ça avance quand les femmes sont dans les projets aussi, puis elles sont vraiment excellentes, là. Fait que bon, l'UPADI aussi, les premières fois qu'ils allaient là au Sénégal depuis 2004, ils ont exigé, quand ils rencontraient les organisations paysannes, qu'il y ait un pourcentage de femmes qui soient présentes. Avant ça, c'était seulement des hommes. Maintenant, les femmes sont présentes également, puis ils peuvent prendre part aux décisions également. Fait que ça, c'est quand même une bonne avancée. Vous me disiez qu'on les appelle d'ailleurs les femmes aux mille bras, parce qu'elles Absolument. travaillent Elles travaillent beaucoup. beaucoup. Puis elles le disent elles-mêmes aussi. Même des fois, elles disent qu'elles travaillent trop. Votre expérience que vous avez appréciée, je pense, toutes les deux, c'était sur une base volontaire.
Absolument. OK? Oui. On paye vos dépenses, mais pour ce qui est de vous remplacer ici, tout ça, c'était à vos frais, tout ça. Mais un début de ce voyage-là, ce serait peut-être que d'autres Québécoises répètent la même expérience. Oui, j'imagine. C'était un peu une mission exploratoire là, pour donner le goût peut-être à certaines femmes là, de retourner faire des missions. Moi, je peux pas dire que ça va être la dernière. J'aurais un intérêt peut-être à retourner faire peut-être une mission un peu plus pointue là, au niveau technique. Là. Ouais. OK. Merci beaucoup.